Bonjour à toutes et à tous et merci d'être avec nous aujourd'hui pour cette rencontre avec Eva Balthazar, autrice aux éditions Verdier de Permafrost et Boulder, traduit par Annie Batz, et Guadalupe Nettel, autrice du Corps où je suis née, traduit par Delphine Valentin chez Actes Sud, Après l'hiver, traduit par François Martin chez Buchet Chastel, et plus récemment, donc, on va en parler aujourd'hui, de L'oiseau rare aux éditions d'Alva, traduit par Joséphine de Vispeller. Merci à toutes les deux d'être avec nous aujourd'hui. Et grand merci à Judith Lafuente van der Sluis pour l'interprétation. Dans L'oiseau rare, Guadalupe, vous nous racontez l'histoire de Laura, une jeune femme qui ne veut pas d'enfant et qui partage ce non-désir de maternité avec plusieurs de ses amies, et notamment Alina, qui va un jour lui annoncer que bien, finalement, elle a envie de construire une famille et d'avoir un enfant. Eva, Vous nous racontez dans Boulder l'histoire de Boulder, justement, cuisinière sur un cargo qui va tomber amoureuse de Samsa et accepter de s'installer avec elle en Islande. Samsa qui va lui imposer l'arrivée d'un enfant. Eva, qui est Boulder? Peut-être que son surnom qui lui a été donné justement par Samsa dit quelque chose de qui elle est. Est-ce que vous pouvez nous dire quelques mots de ce personnage? Sí. Bueno, abans que res, donar les gràcies per la invitació i estic encantada de ser avui aquí. Boulder és una metàfora de la protagonista. És cert que és un nom que Samsa, és un àlies, no? Un sobrenom que Samsa li posa perquè la veu com aquestes roques enormes que sembla que ho puguin suportar tot, que hi ha en alguns llocs molt aïllats del planeta. I Boulder és una dona que comença la novel·la havent trobat el seu lloc de pau en el món, que és en un vaixell mercant en el mar de Chiloé. Allà ella és molt feliç perquè està rodejada de poquíssima gent, fins que apareix Samsa, no? Que porta el nom també de l'heroi de Kafka, Gregor Samsa, que és una dona que s'anirà transformant també en una mena de monstre conforme avanci la novel·la i expressi el seu desig de viure una maternitat en parella, que Boulder no vol. Tout d'abord, merci. Je suis très heureuse d'être ici parmi vous. En effet, Boulder, c'est une métaphore. C'est le surnom que Samsa lui donne parce que Boulder, en réalité, c'est une très grande roche, des roches qui peuvent tenir tout le poids, on dirait, et qui se trouvent isolées dans la planète, en quelque part de la planète. Et c'est là où Boulder trouve sa paix. Donc, dans ce bateau, qui est au milieu de nulle part dans la mer de Chiloé, comme ces roches Boulder qui se trouvent aussi dans les mers. Alors, elle est très contente là-bas parce qu'il y a très peu de gens. Elle vit assez isolée jusqu'à ce qu'elle rencontre Samsa. Et Samsa, en effet, aussi, c'est un nom métaphorique parce qu'elle vient. Samsa, c'est le nom du livre de Métamorphose de Gregor Kafka. Et en effet, Samsa aussi, elle fait toute une métamorphose puisqu'elle tombe enceinte, elle désire donc avoir une vie de couple et un enfant avec Boulder qui n'en veut pas. Guadalupe, votre narratrice aussi aime le silence, même si on voit qu'elle est entourée d'amis qui lui tiennent à cœur. Elle le dit, la plupart du temps, j'apprécie ma solitude. Du moins, me paraît-elle beaucoup plus surmontable que le souvenir que je garde de mes derniers mois en couple. Et donc, je le disais, votre narratrice ne souhaite pas avoir d'enfant. Je vous lis encore.
Pendant des années, j'ai essayé de convaincre mes amis que se reproduire constituait une erreur irréparable. Je leur disais qu'un enfant, tout mignon et doux qu'il soit dans les bons moments, représenterait toujours une limite à leur liberté, un poids économique, pour ne pas parler du ravage physique et émotionnel qu'ils occasionnent. 9 mois de grossesse, 6 autres et plus d'allaitement, des nuits blanches, fréquentes pendant l'enfance, puis une angoisse constante tout au long de l'adolescence. Cela en vaut-il vraiment la peine? Et puis, finalement, quand même, passé la trentaine, elle avoue, comme quelqu'un qui, sans jamais avoir pensé au suicide, se laisse séduire par l'abîme sur le toit d'un gratte-ciel, j'ai été tentée par la grossesse. Comment est-ce que vous décririez, avec vos mots, ce personnage de Laura? Bonjour. Bonjour à tous, à toutes. Et merci pour l'invitation ici. Je vais parler en français puisque c'est une langue que je connais. Et comme j'ai vécu ici à Paris quelques années, ça me fait plaisir de la pratiquer un petit peu. Laura est... j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire du point de vue de cette narratrice qui parle à la première personne, mais qui n'est pas comme moi, parce qu'elle est beaucoup plus radicale dans ses opinions et dans ses choix de vie. C'est quelqu'un qui va se lier les trompes pour justement s'empêcher elle-même de changer d'avis vis-à-vis de la maternité dont qu'elle refuse complètement. Et donc... je me suis inspirée d'autres femmes que je connais, que j'admire, notamment une auteure qui s'appelle Lina Meruane et qui a écrit un pamphlet qui s'appelle « Contre les enfants ». Et donc, je voulais parler du point de vue de cette femme pour donner la voix à toute cette énorme partie de la population mondiale qui est féminine mais qui ne veut pas d'enfants. Elle ne change pas d'avis puisqu'elle se lie les trompes, donc elle ne peut pas le faire. Mais sa radicalité, elle va connaître quand même quelques petits points de perméables. Et on va évidemment parler de ces points de perméabilité. Vous disiez, je voulais quelque part représenter à travers ce personnage toute une partie des femmes qui ne souhaitent pas avoir d'enfants. Et quelque part, à travers la mère de votre narratrice, vous montrez aussi la pression qui existe encore à l'endroit de la maternité. Sa mère qui, Laura nous l'explique, ne lui demande jamais si elle pense avoir un enfant, mais quand est-ce qu'elle va avoir un enfant. Cette mère, qui va évoluer également, et on va y revenir au fil de la rencontre, cette mère représente aussi vraiment cette pression. Et c'était important pour vous de montrer que ce n'était pas forcément un choix facile. Oui, ça aussi, c'est une partie que j'ai beaucoup, à laquelle j'ai pris plaisir pendant l'écriture, le rapport entre Laura et sa mère. Les rapports entre mère et fille, normalement, sont très compliqués. Ils sont très beaux, très passionnés, mais souvent, c'est plein de non-dits, de tensions psychologiques, de culpabilité et puis de reproches qu'on n'avoue pas tellement et parfois qui explosent. Donc, la mère de Laura, c'est une femme qui ne s'est jamais posé la question « Est-ce que je veux ou je ne veux pas avoir d'enfant ?» Elle l'a juste fait comme les autres et elle en a eu. Et puis, à un moment donné, elle avoue à sa fille que, en fait, ça n'a pas été si facile que ça et qu'à plusieurs moments, elle s'en est repentie. Ça aussi, ça existe, les mères repenties, comme on a entendu souvent. Mais Laura, elle découvrira aussi que sa mère, ce n'est pas uniquement cette personne, déprimée et un peu frustrée qu'elle crut avoir connue pendant toute sa vie, mais qui a quand même des nuances et d'autres aspects qui vont ressortir pendant le roman. Et notamment, on y reviendra au contact d'autres femmes. Eva, pour rester sur cette question du désir ou du non-désir de maternité,
dans Permafrost, votre narratrice, là on aborde plus la question du couple, mais se séparer de ses compagnes dès lors qu'il y avait un engagement qui paraissait plus ou trop important, c'est quelque chose, c'était quelque chose d'important ou peut-être d'évident, tout simplement pour vous, d'explorer ce désir et ce non-désir, puisque, on l'a dit, si Boulder ne souhaite pas avoir d'enfants, Samsa, au contraire, en a très envie. Sí. Bé, diríem que el tema de la incomunicació, diríem que Perma, Gel, Boulder i Mamut formen part d'un tríptic, no? I un dels fils que recorren tot el tríptic és la maternitat i un altre dels fils que la recorren és la incomunicació. També en el cas de Perma, Gel, és molt evident perquè és una dona que a través del desig es relaciona amb altres dones fins a cert punt, només gairebé diria sexualment, no? I en el cas de Boulder parteix d'una primera atracció, d'un primer desig, que en el que en Samsa es transforma en un desig de maternitat que Boulder no vol assumir. Llavors, el que a mi m'interessava bastant era concebre, anar cap a aquelles parts més fosques del que és la maternitat. És a dir, sembla que ha de ser una, i és la que ens venen, no? que com una mena de construcció social sobre el que ha de ser la perfecta maternitat, que Samsa hi encaixa molt bé i és molt lícit, però que Boulder no. I el graciós per mi ha estat que jo, per exemple, m'identifico molt amb les dues protagonistes. És a dir, la maternitat, igual que la paternitat, és polièdrica i tant hi ha moments en què pots viure-ho amb certa consciència i equilibri i en pau, i hi ha moments en què surts de tu mateixa i et pots arribar a mirar a tu mateixa amb uns altres ulls que tu diries que són potser els més propis, que ets més tu, no? I hi ha un judici sobre aquesta nova persona que ja és una mare. Sí. Repetiré el que calgui, perdó. Oui, il y a le sujet de l'incommunication, le sujet que est un petit peu un fil conducteur dans le triptyque que j'écris, parce qu'il s'agit de trois livres. Il y a Permafrost, après il y a Boulder, et le dernier est Matmut, avec deux fils rouges. L'un, c'est celui de la maternité, et l'autre, celui de l'incommunication. À Permafrost, par le biais du désir, la protagoniste a beaucoup de relations avec des femmes jusqu'au moment où ça devient trop intense ou qu'il y a un désir d'enfant. À Boulder, ce sentiment n'est pas du tout accepté. Elle ne veut rien savoir d'avoir des enfants, mais finalement, elle accepte avoir un enfant avec Samsa. Mais c'est ça qui m'intéressait, les côtés les plus obscurs de la maternité. C'est-à-dire, il y a une maternité qui nous vend, on nous vend une notion de maternité, une construction sociale qui a l'air de s'adapter parfaitement à Samsa, qui est 100% d'accord avec cette idée de la maternité et que Boulder ne peut pas supporter. Et moi, personnellement, Eva, je me sens très reflétée dans ces deux personnages, dans ces deux narratrices à la fois, parce que je trouve que la maternité a des multiples dimensions. Parfois, on peut la voir comme quelque chose de équilibré, on peut la vivre d'une façon paisible, et d'autres fois, peut-être quand on est plus sincère, on se juge nous-mêmes en tant que mère, on commence à douter de notre propre façon d'être mère. Et qu'est-ce que tu as dit à la fin ? Il y a cette nouvelle personne. Ah oui, et donc c'est-à-dire de cette nouvelle personne qu'on devient quand on est mère. Et on va parler évidemment de ce que la maternité puis la naissance d'une petite fille va avoir comme conséquence dans le couple de Samsa et Boulder. Guadalupe, je le disais tout à l'heure, quelque part Laura vit un drame quand Alina lui annonce qu'elle souhaite avoir un enfant. Elle se dit, Laura, que d'un seul coup, son amie va disparaître. Et d'ailleurs, ce sont ses mots. Elle va disparaître pour s'unir à la secte des mères, ces êtres sans vie propre, aux allures de zombies, flanqués d'œillères qui traînent des poussettes dans les rues de la ville. Et elle se dit, l'amie que je connaissais va cesser d'exister.
Et finalement, ce que vous montrez dans ce livre, c'est aussi la façon dont l'amitié se transforme. Parce qu'Alina va avoir un enfant, elle va être confrontée à une situation très difficile, et évidemment que Laura va être présente, que Alina va trouver aussi avec d'autres femmes qui partagent une expérience proche de la sienne, du réconfort ou en tout cas une certaine sororité. Vous montrez ça aussi, que certes, peut-être que l'amie qu'elle a connue quand elle était plus jeune disparaît, mais que ça n'empêche pas de garder des liens extrêmement forts. Bon. En fait, ce roman, pour moi, est spécial parce que par rapport à tous ceux que j'ai écrits, j'écris surtout de la fiction. Cette fois-ci, la moitié du roman est issue d'une histoire vraie, l'histoire d'une amie très proche. Et le reste a été inventé ou créé pour accompagner cette histoire. Donc... Toute cette histoire qui est l'histoire centrale, celle de Alina, les sentiments de la narratrice envers elle, c'est d'amitié et de profonde admiration et de compassion à un moment donné aussi. C'est ce que j'ai traversé avec mon amie à un certain moment. Et donc, je crois que c'est pour ça que cette qualité de présence de l'amitié dans tout le roman est aussi forte. Et donc, on a écrit à un moment donné le roman à quatre mains, parce que même si elle n'est pas écrivain du tout, elle est complètement dans un autre créneau. Je lui ai demandé d'abord si elle était d'accord pour que j'écrive l'histoire. Elle était d'accord parce qu'elle voulait donner de la visibilité à ce qui s'est passé, à son histoire, et puis à l'histoire de beaucoup d'autres femmes qui ont vécu ce qu'elle a vécu et qui sont normalement sous le silence complet. D'une part parce que la société, elle ne veut pas voir ce genre de problématique, elle n'est pas disposée aussi ouverte que ça. Et puis d'autre part parce que les gens qui traversent ces situations-là sont souvent... prise ou d'une certaine honte ou d'une pudeur extrême que je ne saurais pas exactement comment décrire. Donc à un moment donné, on s'est assises tous les deux et je lui ai dit, vas-y, raconte, je vais t'enregistrer. Et c'est à partir de son témoignage que j'ai commencé à écrire cette histoire qui est la colonne vertébrale du roman. Après, c'est vrai que j'ai aussi... aller chercher d'autres histoires, d'autres femmes qui avaient vécu des choses pareilles ou semblables ou qui étaient d'une façon ou d'une autre reliées. Et à un moment donné, je me suis dit, mais comment ça se passe chez les animaux? Comment ça se passe chez les femelles d'autres espèces? Par exemple, comment vit la maternité chez les baleines, chez les dauphins, chez les éléphants, et puis j'ai découvert cette histoire de parasitisme de couvée qui m'a absolument surprise et émerveillée. C'est l'histoire, des femelles d'oiseaux qui éprouvent un besoin, incontournable de se reproduire, mais qui n'ont aucune envie et aucun désir et aucun instant d'élever les petits. Et donc, elles vont mettre les œufs chez d'autres oiseaux et elles vont éliminer les œufs des oiseaux qui étaient là auparavant dans le nid pour que leurs petits soient élevés de façon convenable et avec tout ce qu'il faut pour un petit oiseau. Donc, je me disais, mais ça existe aussi chez les animaux. Ce n'est pas contre nature de faire ça. Et donc, j'ai aussi intégré ces histoires d'animaux dans le roman qui, finalement, est devenu une sorte de nid parce qu'il a été tissé avec plein de tiges différentes comme des bribes d'histoires d'ici et de là. Et c'est une histoire, ce que vous dites des animaux fait écho à plusieurs niveaux, parce qu'il y a effectivement ce nid de pigeons sur le balcon de Laura, où elle s'interroge quand même, parce que l'oisillon, il a quand même une drôle de tête, effectivement. Il y a la nounou de la fille d'Alina, Inès, Marlène, qui devient
plus que sa nounou, c'est-à-dire qu'il l'appelle la meilleure amie d'Inès, elle est là tout le temps, et j'espère qu'on aura le temps d'y revenir. Mais il y a aussi la relation que développe Laura avec son petit voisin, Nicolas, et où là, quelque part, ça m'a fait penser dans Permafrost à la relation avec Claudia, la nièce de la narratrice, où donc on a cette narratrice, Laura, qui ne souhaite pas du tout avoir d'enfant et qui, d'un seul coup, parce que la situation est compliquée dans l'appartement voisin, va se lier d'affection avec cet enfant, pour un enfant qui n'est pas le sien, mais qui la bouleverse. Et c'est très beau, ça aussi, ce que vous montrez, de se dire que bien sûr qu'il y a les liens du sang, mais il y a aussi les évidences de certaines rencontres qui font revisiter les croyances qu'on pouvait avoir. Oui, l'idée de rencontre, qui est une idée très française de mon point de vue, enfin, c'est André Breton qui en parlait énormément, surtout dans Nadjab et dans d'autres contextes et dans d'autres livres aussi. C'est quelque chose qui me meut profondément et que je crois avoir expérimenté plusieurs fois dans ma vie, pas énormément bien sûr, parce que ça serait plus tellement comme ça, mais le fait de vraiment découvrir une sorte de communication et de compassion dans le sens où on sent avec, de sentir avec. Et je crois que c'est ça qu'elle éprouve, Laura, vis-à-vis de cet enfant. C'est pas que tout à coup l'instinct maternel se réveille chez elle, c'est pas que tout à coup elle change d'avis vis-à-vis de la maternité, c'est que c'est cet enfant-là qui la touche d'une façon particulière. Et malgré tous ses préjugés, elle ne peut pas s'empêcher de, quelque part, prendre soin de lui et puis devenir, pendant une certaine période de sa vie, une sorte de mère parasite ou mère parasitée. Et je crois que c'est ça que beaucoup de femmes, ou certaines femmes aussi, devraient... Se permettre, parce que s'il y a une sorte de tabou au moment où on se dit ça c'est pas le lien de sang, on n'a pas le droit d'y entrer, on n'a pas le droit d'y je sais pas d'aller de se mêler d'une famille, c'est quelque chose qu'il faudrait abolir, je pense, dans notre société. Je crois que ça, la maternité, c'est beaucoup plus perméable de ce qu'on dit, et que les liens de sang, souvent, c'est vraiment une sorte de mythe qu'on a établi, une sorte de muraille qu'il faudrait commencer à questionner. Eva, sur cette question, peut-être justement de la rencontre, encore une fois, avec ces deux narratrices, c'est-à-dire que, je le disais, dans Permafrost, en l'occurrence, ce sont les liens du sang, puisque c'est sa nièce, mais la narratrice explique comment est-ce que cet enfant d'un seul coup la touche alors qu'elle ne s'y attendait pas du tout, et là on a sauté l'étape de la maternité et on y reviendra, mais finalement Bolder va réussir à rencontrer Tina. Sí, és veritat. Jo deia abans que la incomunicació és un dels nusos que relliga tot el tríptic, però ja, quan apareix aquesta comunicació és cap al final dels llibres i és amb el cas de la protagonista, amb una criatura. En el cas de Permagel, la Clàudia és la neboda amb la qual la protagonista d'alguna manera s'identifica. És l'única persona amb la que és capaç d'haver-hi una identificació, perquè les meves tres protagonistes són dones bastant limítrofes, no? Transiten pels límits, viuen en molta incomoditat en la societat que els ha tocat viure, tenen una mirada que jo vull pensar que és lúcida sobre tot allò que les envolta, i en el cas de la Permagel, ella està envoltada de familiars, de gent que s'automedica amb ansiolítics, amb antidepressius, doncs per poder suportar aquesta vida. Segueixo? No. Sí. Oui, on parlait tout à l'heure de la communication comme ce nœud qui lie le triptyque, ces trois livres.
Et la communication arrive qu'à la fin de mon roman, avec cet enfant, avec Tina qui apparaît. Donc il y a cette communication qui apparaît. Chez Claudia, c'est-à-dire à Permafrost, la communication est différente avec sa nièce, parce que c'est l'unique personne avec laquelle la protagoniste s'identifie. En tout cas, dans mes trois livres, mes trois personnages sont des personnages un petit peu limitrophes, qui sentent un inconfort avec la société, mais moi je les trouve aussi très lucides par rapport au monde qui les entoure. Et à Permafrost, par exemple, la protagoniste est contre sa famille, qu'elle trouve trop médicalisée parce qu'il prend des anxiolytiques, des antidépresseurs pour supporter la vie qu'ils ont. Llavors, aquesta protagonista el que decideix és ella no medicar-se per poder mantenir precisament aquesta lucidesa. Això la porta a poder gaudir moltíssim de la vida, però també a patir-la fins a l'extrem de tenir les fabulacions suïcides que té. I en trobar-se amb aquesta neboda es troba realment amb algú que ella considera autèntic. Hi ha aquest apropament, en un moment en què la neboda té una malaltia en què es queda temporalment cega. O sigui, és l'únic personatge que no pot veure res, però que realment està lúcid de veritat, juntament amb la protagonista. I en el... I segueixo. Sí. Alors, dans Permafrost, la narratrice, elle décide de ne pas se médicamenter, justement, pour garder cette lucidité, ne pas prendre des médicaments. Donc, de cette façon, elle prend plaisir de la vie. Elle profite vraiment de la vie, mais ça la fait aussi beaucoup souffrir parce qu'elle ne prend pas de médicaments, donc elle arrive à avoir envie de se suicider. Et avec sa nièce, elle retrouve cette authenticité parce qu'elle s'identifie avec elle. Donc on peut dire que c'est comme ça que ce lien se crée entre les deux, jusqu'à ce que la maladie arrive de la nièce Claudia, qui devient temporairement aveugle. Donc c'est un petit peu curieux parce qu'elle ne voit pas, mais c'est en fait la seule que la protagoniste considère complètement lucide. I en el cas de Boulder ens trobem amb una protagonista que ella accepta una maternitat no desitjada, no? Fa aquesta mena de sacrifici per amor, aquest gran error, i acaba doncs, tenint una filla, la Tina, i això l'obliga a construir-se com a mare d'alguna manera, o sigui, d'alguna manera, per més que no vulgui, ho ha de fer. I s'adona que l'única manera que hi ha de fer-ho mantenint la seva autenticitat és incorporar aquesta criatura a la seva bombolla de soledat. I això no passa per una vida de parella, d'una vida familiar, de la parella amb la criatura, sinó d'ella sola amb la criatura, en les condicions que ella desitja. Et dans le cas de Boulder, elle accepte donc cette maternité qu'elle n'a pas désirée. C'est un sacrifice qu'elle fait par amour. Donc elle se sent obligée, quelque part, de devenir mère. Mais elle garde l'authenticité, c'est-à-dire la façon où elle entend être, en créant cette bulle ou en introduisant Tina, donc la fille, dans cette bulle de solitude qui est la sienne. Elle ne veut pas créer la vie typique de famille. Non, elle a un lien de solitude, disons, ou de toi à toi avec sa fille, avec Tina, avec ses propres conditions, pour garder l'authenticité. Leur rapport à Samsa et Boulder se détériore avec la maternité et l'arrivée de Tina. Dans votre roman, Guadalupe, c'est
également présent le corps qui change, le désir qui n'est plus le même ou qu'on croit ne plus être le même. Alina et son mari ne font plus l'amour après la naissance d'Inès. La nounou, la meilleure amie dont je parlais tout à l'heure, d'Inès, Marlène, est très belle et Alina se persuade que son mari, Aurelio, fantasme sur elle, qu'il ne veut plus d'elle et il faut qu'il réapprenne à être un couple aussi, à être un couple dans le désir, dans le rapport au corps. Et c'est quelque chose que vous montrez de manière très, très délicate, cette façon dont on a vite fait de s'éloigner, notamment parce qu'il traverse une période très difficile, mais d'un seul coup, elle n'est plus un corps de d'amante, elle est cette mère d'Inès. Et ils ont besoin de travailler à retrouver cette intimité. Oui, je crois qu'un des sujets fondamentaux de ce roman, c'est la capacité d'adaptation qu'on a les êtres humains à travers différentes épreuves qu'on peut traverser dans la vie. Et c'est sûr que ces deux personnages-là doivent se réinventer à plusieurs reprises pendant le roman, puisqu'il y a beaucoup de choses qui se passent au début. Bon, l'idée, enfin, la grossesse qui ne venait pas, donc ils essayaient par tous les moyens possibles de concevoir, et puis on sait que c'est très dur souvent, et que ça change et que ça abîme complètement le corps d'une femme. Après la grossesse, quand finalement ils attendent heureusement un enfant, bah, la nouvelle qu'ils reçoivent tout d'un coup, qu'ils vont perdre leur enfant, que l'enfant sera mort-né et qu'il faut qu'ils aillent voir une thanatologue ou une psychologue pour pouvoir se préparer à ce moment qui va être en même temps la naissance et la mort de leur enfant. Et puis le retour de situation qui est venu après, qui est bon, la petite fille n'est pas morte, mais on ne sait pas si elle va survivre. On ne sait pas si elle va survivre un jour, deux jours, un mois, six mois ou neuf ans. Donc tous les jours, quand ils se réveillaient, ils s'attendaient à voir leur enfant décédé dans leur berceau. Donc c'est sûr que pour la vie de couple, c'est pas ce qu'il y a de mieux, quoi. Et que ils ont dû traverser tout ça et puis chercher des façons à réinventer leur couple et leur famille, pas une fois mais plusieurs. L'amour, le couple, Eva Boulder tombe amoureuse avec les sens, l'amour. Avec Samsa, dans toute la première partie, est intense, extrêmement sensuel. Vous décriviez aussi dans Permafrost des relations sexuelles, amoureuses. Écrire la sexualité, le sexe, qu'est-ce que ça a de particulier, si tant est que ça ait quelque chose de particulier? Quel enjeu il y a à raconter et réussir à rendre compte de manière si puissante et de manière très poétique également ces émotions, ces sensations, le corps qui communique avec un autre corps. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier dans l'écriture de ces scènes-là? Sí, és particular. En el meu cas, són les escenes més fàcils d'escriure. I és veritat que per les protagonistes la seva sexualitat és com molt fonamental, és molt determinant pel seu propi caràcter, per la seva manera d'habitar el món. Per la protagonista de Permagel es relaciona amb les altres dones a través de la sexualitat. I és a través de la sexualitat que ella es manté afermada al sentiment d'estar viva en el món. És com si practiqués una mena de meditació. En el moment en què ella està mantenint relacions sexuals, no està preocupada dels fantasmes del passat, la família, aquella mare tan tòxica, el que sigui, ni està preocupada del que pugui venir del futur, dels monstres del futur, sinó que simplement es manté allà en un lloc que ella diu que es manté sana i estàlvia.
Si, en effet, c'est particulier, mais pour moi, c'est les parties les plus faciles à écrire, hein, celles de la sexualité, du sexe. Ma protagoniste, en fait, mes protagonistes considèrent la sexualité comme quelque chose de fondamental, de déterminant dans leur façon de voir le monde. À Permafrost, en fait, ma protagoniste n'a des liens avec les autres personnes que par le sexe, par les relations sexuelles. C'est la façon qu'elle a de rester vivante dans ce monde. C'est pour elle comme un état de méditation où le passé n'existe pas, c'est-à-dire les problèmes de famille ou la relation toxique qu'elle a avec sa mère, et l'avenir n'existe pas non plus. Donc c'est le moment où elle ne voit plus les monstres du futur, de l'avenir. C'est là où elle se sent en toute sécurité. I en el cas de la protagonista de Boulder, ella, l'atracció que sent per Samsa al principi és una atracció purament sexual, però en aquest llibre sí que apareix l'amor, no? És una sexualitat passada pel sedàs de l'amor. El que passa que la Boulder es relaciona, la manera que té de relacionar-se amb si mateixa, moltes vegades passa a través del paisatge, passa a través de la, ella és cuinera, a través de la manipulació de la matèria primera, no? De la carn, del peix, de les verdures, i passa per el sexe amb la seva parella. Llavors, en el moment en què la seva parella es veu com infectada per aquest pensament, d'aquest desig de ser mare, ella veu com aquesta infecció la segresta d'alguna manera i l'aparta de l'esfera sexual de la parella. Boulder a d'abord une attraction complètement sexuelle, 100% sexuelle par Samsa, et après il y a le filtre de l'amour, il y a l'amour qui apparaît après avec Samsa. Mais le lien que Boulder a avec elle-même passe aussi à travers du paysage, à travers des matières premières qu'elle cuisine, parce qu'elle est, chef, elle cuisine. Comment on dit ? Cuisinière. Cuisinière. le lien qu'elle a avec les légumes, avec la viande, avec toutes les matières premières, et à travers le sexe avec, avec son couple, avec Samsa. Mais quand Samsa est infectée par le souhait d'être mère, le désir de maternité, alors Samsa sort de la sphère de sexuelle de Boulder. Elle I Boulder també és una dona que intenta no haver de parlar els problemes de parella i disfressar tots aquests problemes o matar-los directament en el llit. En el moment en què desapareix el sexe i es queda sola amb els seus problemes, això la porta a atansar-se a altres dones de manera, diria, gairebé com compulsiva, però que amb relacions que són purament sexuals utilitàries i que, evidentment, al cap de 4 dies la deixen insatisfeta. I el que acaba veient ella és que necessita reconstruir la relació que té amb ella mateixa sòlidament, d'alguna manera, no? Fer que allò que sent, allò que pensa, allò que diu i allò que fa estiguin en sintonia i a partir d'aquí abordar la vida d'una altra manera, no? Boulder, en fait, c'est une femme qui ne veut pas parler des problèmes de couple qu'elle a. Elle essaye toujours de tuer, quelque part, résoudre tous les problèmes de couple au lit. Et quand le sexe disparaît, elle se retrouve seule. Et du coup, elle essaye de combler ce vide avec d'autres femmes, en ayant des relations sexuelles avec d'autres femmes, mais c'est que pour le sexe, donc elle les utilise quelque part, et ça le crée une insatisfaction. Et c'est là, avec ce sentiment d'insatisfaction, qu'elle décide de se reconstruire avec le lien qu'elle a avec elle-même, c'est-à-dire trouver une syntonie entre ses pensées et ses actes. Trouver un nouveau point de vue ou une nouvelle perspective où il se sentira vraiment en harmonie. Eva,
dans Permafrost, c'est la tante de la narratrice qui à un moment lui demande si elle fait bien d'épouser son mari, parce que quand elle remarque que quand elle est dans le métro, elle a quand même très envie de regarder les seins des femmes qui sont avec elle dans le wagon. C'est sa sœur qui lui demande à un moment comment est-ce que c'est avec les femmes. Et je me disais en vous lisant que sans doute que ces femmes, les lectrices, les lecteurs, n'ont pas assez lu, assez vu ces relations qu'on évoquait il y a quelques instants, et que si ces personnages posent à la narratrice toutes ces questions, c'est parce que c'est pas du tout dans leur champ de culturel, ou en tout cas ils n'ont pas pu vivre cette expérience comme on peut le vivre à travers la littérature ou le cinéma qui nous permet de vivre d'autres vies que les nôtres, qu'elles n'ont pas pu vivre ces vies-là, d'où le côté indispensable aujourd'hui de pouvoir lire une diversité de récits autour de tous les couples. Sí, és clar, la literatura ens porta a fer pensar i ens porta a descobrir mons que ja estan, que ja existeixen, no? I que són reals i que potser estan allunyats del nostre món més tancat, més petit, més proper. En el cas de Permagel, vaig voler apostar per mostrar això, perquè és una vivència, sense haver explicat la meva vida en les meves novel·les, no? Però sí que és una cosa que m'ha passat a mi com a persona que em sento dona i em sento lesbiana, d'haver-me trobat puntualment a la vida en contextos laborals, amb companyes de feina, amb molt poc tracte i molt menys tracte d'amigues, de venir un dia i preguntar-me, com la germana de la protagonista de Permagel, com és estar al llit amb una dona? Que és una pregunta que dius, ostres, doncs està... Bueno, en el moment que ho vam preguntar em vaig quedar com molt parada i no recordo què vaig respondre, no? Però realment és una curiositat i doncs penso que vehicular-la a través de la literatura fa que pugui arribar a moltes més persones, no? Oui, en effet, la littérature, c'est une façon de réfléchir, de découvrir un monde qui existe, qui est réel, mais qui peut être très éloigné à notre vécu, à notre monde. Dans le cas de Permafrost, pardon, j'ai vraiment parié pour expliquer, montrer cette réalité qui est la mienne, parce que ça m'est arrivé, moi, personnellement, en tant que femme et lesbienne, de me retrouver avec des gens dans le contexte du travail, des collègues qui me disent « Mais est-ce que tu peux m'expliquer ce que ça donne que d'être au lit avec une autre femme ?» Donc, à l'époque, ça m'avait surpris. Je ne sais même plus comment j'avais répondu. Mais je trouve que c'est curieux, non, qu'on me pose la question comme ça. Et en effet, la littérature est un véhicule, c'est une façon de transmettre donc, ces expériences pour que ça arrive à le plus grand nombre de personnes. Je vous ai entendu raconter, Eva, que lorsque vous écriviez Bolder, vous étiez tombée littéralement amoureuse de votre narratrice et que, comme elle, vous avez beaucoup bu et beaucoup fumé. Sí, 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 sí. Va haver una... Bueno, jo les meves protagonistes les faig servir una mica a moda de mirall de mi mateixa, no? I també hi ha una gran identificació amb elles. I en el cas de Boulder era una dona que fumava i bevia molt i jo vaig començar a imitar-la d'alguna manera i anar reconeixent una mica com si fossin companyes de bar, no? I vaig començar a beure i a fumar bastant durant el període que vaig estar escrivint la novel·la. I és cert que sí, que vaig començar a tenir una sintomatologia física que mostrava que m'estava enamorant d'aquesta dona fictícia a través de la literatura i no tenia son, no tenia gana, em llevava pensant en ella permanentment i bé, jo, per mi els meus personatges són molt reals en el moment en què els estic creant o en què estic descobrint aquesta veu qui realment és, i són una companyia que tinc durant un any o dos anys mentre escric la novel·la molt, molt present i molt important. I la Boulder me'n vaig enamorar i va coincidir que en aquell moment també es va desfer una mica, es va desfer el meu matrimoni i em vaig acabar divorciant coincidint amb la coneixença de la Boulder.
Oui, pour moi, mes protagonistes, c'est en fait comme un miroir. Je m'identifie complètement avec elles. Et en effet, quand j'écrivais sur Boulder, qui était quelqu'un qui fumait et buvait, alors j'ai commencé à l'imiter. Et c'était comme une collègue dans le bar. Je fumais et je buvais autant qu'elle pendant que j'écrivais ce livre. Et je ressentais en effet aussi des symptômes de quelqu'un qui tombe amoureux, même si dans mon cas c'était tomber amoureux de quelqu'un qui n'est pas réel par le biais de la littérature. Donc à cette époque-là, je me rappelle, j'avais pas faim, j'arrivais pas à dormir, quand je me réveillais je pensais qu'à elle. Donc vraiment, pendant un ou deux ans, ce personnage est devenu réel pour moi et il a été une vraie compagnie. Il est autant comme ça, c'est à tel point que j'étais amoureuse de Boulder qu'à ce moment-là, quand j'écrivais sur elle, j'ai mis fin à mon mariage. J'ai divorcé au moment où j'ai rencontré Boulder. Que ce soit dans Permafrost ou dans Boulder, on ne connaît pas le nom des narratrices, puisque Boulder, on l'a dit, c'est un surnom. Pourquoi ? Est-ce que c'est précisément parce que vous mettez des petites touches de votre vie et que les appeler finalement par un prénom, ça les séparerait trop directement de vous? C'est pour cette raison qu'on ne connaît pas leur prénom? Sí, primer perquè per mi ja tenen nom, és a dir, el seu sobrenom, Permagel, Boulder, Mamut, per mi ja són elles més que qualsevol nom que em pugui inventar. Però també coincideixo amb tu que m'identifico tant amb elles que posar-los un nom seria com allunyar-les encara més i faria més difícil aquesta identificació. I sent personatges que s'expressen, no? que parlen a l'orella del lector en primera persona, és molt més fàcil fer com una anguila i passar sense posar-los nom. Bon, oui, en effet, moi je crois que premièrement, elles ont déjà un nom, hein, Permafrost, Boulder, Matmut, et en réalité un surnom, mais aussi un nom et qui les représente peut-être plus que si moi j'invente encore un prénom pour ces personnages. Et puis, en effet, parce que je m'identifie énormément à elles et ça les éloignerait que de leur mettre un prénom qui ne serait pas le mien, par exemple. Et en effet, aussi, le fait d'écrire en première personne me facilite aussi. C'est plus facile de ne pas leur mettre un nom quand on écrit en première personne. Ça fait Guadeloupe. Qu'on arrive à éviter cela. Tout à l'heure, on évoquait la mère de votre narratrice et son évolution. Elle évolue notamment en contact, je le disais, d'autres femmes et en découvrant la ruche. Et c'est aussi une chose très forte dans votre roman, que ce soit à travers l'amitié de la narratrice avec Alina, l'amitié qu'elle retrouve à travers un groupe Facebook également qui réunit des couples et des mères qui traversent des expériences similaires à la sienne. Vous montrez cette sororité nécessaire. Et quand je disais que finalement sa mère, avec ses réflexions sur la maternité, représentait quelque part la société, moi j'y ai vu un très grand espoir en voyant la façon dont sa mère évoluer aussi dans son regard à ce que c'est qu'être une femme et qu'être une mère aujourd'hui. Si, je crois que non, hay... excusez-moi, je crois qu'il n'y a pas d'âge pour devenir féministe et je crois que c'est ce qui arrive à la mère de Laura à un certain moment. Quand elle a plus cette vie complètement débordée qu'elle a eue quand elle a été mère célibataire et qu'elle a dû élever ses deux enfants comme elle a pu, et elle commence à s'éveiller à une vie politique. Et notamment, ce roman-là, il est imprégné de toute une ambiance très très forte qu'il y avait au moment de l'écriture, c'est-à-dire pendant juste avant le confinement, les deux années qui ont précédé le confinement. En Amérique latine,
dans tout le continent, mais aussi, mais surtout au Mexique, il y avait des manifestations qui étaient multitudinaires. Je parle de centaines de milliers de femmes qui étaient dans les rues à demander des droits fondamentaux comme celui de la vie. Parce qu'au Mexique, on tue 11 femmes par jour pour des raisons de genre. Et donc, cette effervescence qu'il y avait dans la rue au moment où j'écrivais ce roman est entrée aussi dans le roman. Et c'est pas Laura, et c'est pas sa voisine Doris qui est aussi une protagoniste, c'est cette femme qui est plus âgée, qui doit avoir plus que la soixantaine, près de 70 ans. Elle commence à, ou elle reprend cette espèce d'élan vital qu'elle avait pendant sa jeunesse alors qu'elle était étudiante et qui a été interrompue par l'arrivée de ses enfants. Donc à ce moment-là, elle commence à entrer en contact avec des communautés comme la ruche ou d'autres où les femmes discutent ce qui se passe, l'actualité et la vie des femmes au Mexique. Et Doris, que vous évoquiez, qui est donc la mère de Nicolas, dont on parlait tout à l'heure. Et il va se nouer aussi une très belle relation entre les deux femmes, mais on ne va pas tout raconter du roman. Je vois qu'il est déjà presque l'heure de nous quitter. Est-ce que certaines ou certains d'entre vous ont des questions pour Eva ou pour Guadalupe? Oui, là. Il y a un micro. Juste une petite question, c'est pour savoir quand va sortir le troisième de Eva Balthazar. Voilà, Mammouth, je sais pas. En français, donc. Aquí da Verdier, sabrán dir. Édition Verdier saura vous dire, ici présente. Probablement 2024, je le dis pour les gens qui nous regardent en ligne. Dommage. Et qui n'entendent pas. Merci. Très bien, merci. Est-ce qu'il y a une autre question? Non. Merci infiniment à tous les deux d'avoir été avec nous. Merci beaucoup pour l'interprétation et merci à vous toutes et tous d'avoir partagé ce moment avec nous. Je vous invite à continuer l'échange de manière informelle, peut-être en dédicace pour celles et ceux qui le souhaitent. Très bonne journée à tous. Merci.